Salut les amis, ici Chaotic et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rétro gaming. Et oui, et c'est sur ce jeu magnifique on se retrouve, c'est Street of Rage. Et oui, ce jeu sorti sur Sega il y a bien longtemps, je ne sais plus la date, excusez-moi les amis. Je pense que je vous le mettrai dans les commentaires. Et c'est tout de suite qu'on va commencer pour ce jeu. Franchement, quand j'étais petit, je jouais tout le temps à ce jeu sur Sega. J'avais 8 ans. Et oui, de mes 8 ans, je me battais déjà contre des monstres et des boss diaboliques. Et oui, c'est normal, c'est gratuit. Et voilà, et là, je vais vous laisser un petit peu l'histoire de Street of Rage 2, parce que je n'ai pas le 1, je n'ai pas le 3, mais je vais essayer de vous faire découvrir quand même l'univers de Street of Rage sur le 2. Voilà. Je vous laisse un petit peu la petite histoire, pour que vous compreniez un petit peu, donc voilà. Méchant, un boss voulant contrôler la ville. Bestie X. Ouais, puis après tout. Hein? Ok, vous n'avez pas besoin de ça pour comprendre. Vous, ce que vous avez besoin, c'est juste de voir ce que c'est. C'est voir un petit peu chaotique en action. Et aujourd'hui, je vais prendre. Excel, allez. Restons dans le classique. Oh là là. Magnifique. Regardez ce café là derrière. Oh, oh magique. Le gars il arrive dans les rues, il se fait déjà attaquer de partout. Normal. On peut dire que le gars est trop fort. Trop musclé. Ah. Un blond, trop musclé, des gants de bœuf, un super moulin. Moi, je me poserai des idées quand même sur le créateur du jeu, hein. Ouais. Bon, allez, go, avançons. C'est pareil. Il y a beaucoup de roues aussi dans le jeu. Beaucoup de punk, beaucoup de roues. Vous allez voir, hein. Par vous-même. Des roues avec des vestes en jean, des vestes vertes. Bon, enfin bref. C'est surtout les bonnes bagarres que j'adore dans ce jeu. Bonnes bagarres. On n'arrête pas. On n'arrête pas de se bagarrer. Voilà. Et des roues. Allez, envoyez-moi les roues. Je les attends, les roues. Bim, bim. Bim. Hop, coup de pied en arrière. Vraiment magique. Ah, un roue avec un couteau. Et voilà. Et viens là. Bim. 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 C'est bien un couteau. Allez, bim, et voilà. Oh là là. Hop, hop, hop. Facile. Hop, 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 hop. Bim. N'arrête pas de se bagarrer. Je trouvais dommage que dans le 2, parce que moi je jouais beaucoup au 3, dans le 2 on avait une compétence qui nous permettait d'appeler
des renforts, une aide supplémentaire. Je me souviens que Axel, dans le 3, il appelait une camionnette de police. Et les policiers qui étaient à l'intérieur tiraient au bazooka, tiraient des roquettes de loin pour nous aider, pour tuer vraiment tous les ennemis sur une bonne zone. Je suis un peu en train de me faire défoncer, mais c'est pas grave. Je vais me défendre. Et bim, un petit coup de boule pour te la mettre. Hop, et voilà, esquive, bim, oh merde, bim, ah oh oui, il passe à travers le fou, bim, et voilà. Ok, ça c'est pour moi. Et bim! Bim! Oh là là! Bim! Oh, c'était magique, je sais pas si vous avez pu voir ça, les amis. En tout cas, c'était. Oh là là, encore une fois! Et oh, encore une fois! Oh là là! Oh, et voilà. Oh, et bim! Il n'est pas mort. Et moi je suis mort. Encore heureux qu'on a plusieurs vies parce que sinon on est déjà mort depuis longtemps. Et là, de rien que de reprendre un petit peu ce jeu, je retrouve le plaisir de mon petit enfant, de mon petit âge. Oh là là, oh, je m'embrouille, hein. Je dis n'importe quoi. Mais c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Je le conseille à ceux qui ont la Xbox 360. La version DC est gratuite, vous pouvez la télécharger sur Xbox. Xbox Arcade en fait, donc n'hésitez pas à le prendre franchement et à retrouver le plaisir de jouer à ce jeu, ou même pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, essayez-le, franchement c'est vraiment magnifique. Hop, la petite Electra, elle va pas faire long feu, voilà. Hop, c'est fait. C'est fait. Il y a des roues partout. Oh là, coup de pied rotatif, plein dans les compromis. Voilà, ça va faire un peu. Et, ah, je vais essayer de vous montrer ce coup de pied. Allez, garçon. Pas celui-là. Ah, celui-là, mais. Oh, magnifique. Et bim! Et bim! Voilà. Ah non, il me reste encore une vie, les amis. Et voilà!
Et c'est sur cette mort magique qu'aujourd'hui je vous laisse, les amis, depuis une courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et bientôt, ne vous inquiétez pas, vous en aurez de plus. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut, à ciao, bye bye!